Salut, c'est Céline Herbin. Aujourd'hui, je passe le recording. T'as battu qui en play-off du Lacoste et des Open de France ? Émilie Pedersen. Vous aviez joué combien de trous de play-off ? Facile, 3. L'an dernier, t'as gagné en Espagne. C'était quoi ton score final ? Moins 6 ? Il y avait beaucoup de vent. Il y avait une autre Française sur le podium. C'était qui ? Je crois que c'était Camille Chevalier. C'est quoi ton meilleur résultat sur le LPGA ? Place en tournoi LPGA, 9e. T'étais sur quel tournoi ? Le Shoprite. Non, c'est pas Shoprite. C'est à Toledo. C'est le marathon classique. Shoprite, j'ai fait top 10. Tu te souviens de ta meilleure carte sur le LPGA ? C'est moins 6, j'ai fait plusieurs fois. Et sur le LET, c'est quoi ta meilleure carte ? Bah, sur le LET, moins 9, c'était à CJS pour le Estrella Dam Championship. T'as gagné deux fois sur le LET. Tu peux citer trois Françaises qu'on fait mieux ? Gladys Nocera, Marie-Laure de Lorenzi et Karine Hichère. Tu sais combien de Françaises ont gagné en tout sur le LET ? De toute l'histoire ? Oui. C'est chaud, hein ? Allez, au pif. 14. Non, c'est plus. Il y en a 20. Oh là là. Ah oui, ah oui. Ouais. Oh, mais ça me compte pas. Hein. Et sur le LPGA ? Je pense 3. Catherine Lacoste, Patricia, Monet Lebouc et Céline. Il manque Anne-Marie Pally. Ah, Anne-Marie. J'ai oublié. Désolée, Anne-Marie. Question bonus. Toi qui es fan de Nadal, combien il a gagné de grands chelems ? 19. Ça te fait 9 sur 10. Bon, ça va, c'est pas si mal.